Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter bah ou une nouvelle émission. Je vais commencer avec une nouvelle, mais qui peut finir rassurant, mais apparemment à 90%, c'est capable ça. Est-ce que nous connaissons les gens qui font genre là pour retirer le ballon d'or dans Vinicius? D'après un article qui sorti sur RFI, qui dit Ballon d'Or 2024, pas oublier, pendant la fin émission ça là, eh bien, cérémonie en lui-même tout lit a déroulé. Donc, c'est possible pour nous retourner un peu plus tard avec une autre émission qui est capable de gagner de modifications la donne et qui est capable de porter l'autre info tout concernant cérémonie remise Ballon d'Or 2024. C'est parti. Real Madrid convaincu que Vinicius gagne droit par Ballon d'Or. Dans quatre cérémonies ici là, eh bien, Real Madrid prend une décision. Le Real Madrid convaincu que son attaquant brésilien Vinicius, pourtant favori, capable de désigner Ballon d'Or ce lundi soir 28 octobre, annoncé que il a boycotté cérémonie ici là dans la capitale pays de la France qui c'est Paris. Question, le Ballon d'Or 2024 aurait-il échappé au Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior? Si critère attribution yo pas désigné Vinicius comme vainqueur, c'est même critère ça yo qui t'a doué désigner Carvajal comme vainqueur. Comme c'est pas le cas, il est évident que Ballon d'Or UEFA pas respecté Real Madrid. Et Real Madrid lui-même pas là parce que yo pas respecté. Ça c'est déclaration qui fait dans AFP. Club Madrid est non, les mêmes qui sont remportés Ligue des Champions 2024 là. Organisateur Ballon d'Or yo t'es décidé innover année si là pendant yo t'es gardé ça secret jusqu'au bout l'identité lauréat si là pour t'être capable éviter toute fuite dans la presse. Année qui sont passée yo vainqueur là yo t'es en confidence quelques jours avant remise priant. Mais tout nommé yo t'es invité pour capable participer dans cérémonie ça qui est organisée dans Paris. Absence joueur Real Madrid yo et puis tout déclaration club si là laissé un pile monde penser que Vinicius ni lui-même ni Dani Carvajal ni Jude Bellingham artisan sacre européen des clubs eh bien pas remporté trophée si là et ça qui laissait la voie dans mi-temps, Espagnol Manchester City, qui c'est Rodri. Vainqueur, Euro 2024, avec la Roa, qui c'est sélection espagnole là. Rodri, 28 ans, désigné meilleur joueur tournoi Silla par UEFA. Organisateur Ballon d'Or, Régis, Léo affirmé que, en quel joueur, ni club, pas connaît qui est-ce qui gagne. Tout club a joueur, yo, logé dans même enseigne. C'est ça, il faut qu'on ait rappelé strict règle, confidentialité édictée pour édition Silla pendant l'année 2024. Là. Ballon d'Or, Silla l'y attribué après vote en jury qui composait de journalistes qui représentaient 100 premières nations dans le classement FIFA. Bon, nous ne pouvons pas faire débat sous question Silla. N'a seulement tant que yo longé Ballon d'Or à Bayon Moon. Et puis qu'on a nous-mêmes n'a venir avec quelques commentaires parce que nous regardons le football, nous comprenons le football et nous pas fait Alzheimer. Gen bagay là au passé. Nous wè yo et yo rete dans l'esprit nous parce que grand pile joueur ça c'est premier critère que n'a pas évoqué qui ont même remporté Ballon d'Or. Et je crois ça yo pas gain trop chiffres. C'est après le cas pour Vinicius. Mais nous pas anticiper. Nous étions là Napton parce que dans une heure et deux heures encore, eh bien, il pourra allonger Ballon d'Or là, by Youn en exile. Bref, on a le passé dans l'autre dossier. Côté que nous connaît, ici là dans le pays d'Haïti, c'est deux dossiers qui dominent l'actualité. Hein. C'est crise dans pire au sommet l'État, parce que jusqu'à présent, il y a crise, oui. Et bagaille au red nan pi au sommet l'État. Et puis, déchaînement, violence qui gagne dans le pays d'Haïti, par bon côté, qui va ensemble, cap crasé, brisé, tout côté, yo passé. Son film cap joué,
Et film ça a grand pile monde qui a regardé. Et grand pile monde qui a intérêt dans film ça. Non veulent me dire non monde qui a intérêt dans film ça. Monde qui a intérêt dans film ça c'est peuple haïtien. Il en premier. Deuxième non c'est autorité dans pays ça. Les politiques. Et puis monde qui dans tête trinité maléfique là. M'gal dit non pour qui ça. Me dit non peuple haïtien c'est parce que nous gon peuple qui a vive au jour le jour, moi la donne tout et qui toujours souhaitait comme si gagnon signe d'espoir qui éclairait sous chemin yo. Parce que l'air ou levé chaque jour c'est crise, bandi a crasé brisé comme si ou ta remettant dans bon nouvel un jour, par contre soit de la part de bandi armé yo, soit de la part des autorités ou des autorités policières et puis pour ta capable redonner espoir à la population. Ça c'est peuple là et les politiques yo gon paquet bagay yo besoin faire y a tiré code et au même qu'a tiré code là c'est que code là doit aller dans sens yo je dis assez moi qui sous pouvoir OK c'est bien m'a fait en sorte que m'pa pas dit pouvoir ça si là yo même qui pas gain pouvoir au compte ça y a fait c'est tractation y a fait des fois yo composé à gang parce que objectif là c'est river tout yo même sous pouvoir. Il y a également les hommes du secteur privé en pile nan yo qui était à distance cap garder ça cap passer dans pays d'Haïti mais en pile nan yo tout qui décidait pactiser avec des chefs de gang pour capable gain libre cours. Est-ce que nous comprenons? Et kounya là gagné yon autre acteur qui c'est moun qui dans tête trinité maléfique là qui croise ti droite li qui dit que la tande bagay yo dégénéré la tande pays ça fin sous win nan net et puis pour les mêmes les vini parce que tout ça qu'a fait là pas gagné aucune intention ni aucune volonté de la part de ce pays ami qui dit vouloir aider Haïti. Non. Parce que moi le bagay peuple haïtien. Moi vle non ouvert crâne tête, non ouvert l'esprit, non comprendre ça. Yo moun ki vle aider ou, par exemple, ou agonisé ou dans l'hôpital ou presque trépassé. Gon médicament par exemple, on nous dit paracétamol. C'est lui-même qui est capable de faire maladie ça revenir. Vous entendez bien, oui? Quand il y a un docteur qui est sous maladie, il a cherché l'étiquette. Ça pour nous tabay là. On nous ballon Citrotex, non? Vous entendez bien, oui? Et puis, il y a l'autre docteur qui là qui t'a remis que moun ça allait revenir. Il n'a pas perdu la ville. L'autre docteur dit non, Citrotex c'est pour femme qui a jeté petite, oui? Il dit. On nous baille au paracétamol pito. Ou dit non, c'est Citrotex pour nous baille. C'est Citrotex là qui a bon bouli. Quand y a maintenant qui ça, en pile monde prend. Chaque fois qu'il y a un pays qui lui-même gain intention qui anime de bonne volonté pour capable aider Haïti, il dit pays à non. On nous prend un exemple très clair, le Salvador. Salvador lui animé de bonne volonté pour capable aider Haïti. Mais qui ça qui passe? Il dit Salvador, écoutez, et nous déjà gon mission là. Soit qu'a fait, c'est si gen blessé dans le pays d'Haïti ou qu'a vini là, ou prend yo pour nous. Et Salvador, li pas seulement fait mieux, non? Salvador t'a aidé totalement avec le problème si là. Est-ce que nous comprenons? Kounya, les gagné toute tractation sa yo, même les gang yo, yo pas négocié. Attendez bien, oui? Ensemble avec paysan mi sa, qui li même tous en louga ou kap manje petit là, mais qui pa vle en ken ou gang vin sou petit là. Kounya, yo ouvert passage pour yo. Kounya, tout autant, des tractations qu'a fait pour capable faire bagay bling bling sous ka Haïtia, c'est comme ça. Bandi yo même, yo vin fou la pouvoir, yo a crasé brisé. Parce que unification yo vin ran yo fort et yo gen pile soldat qui avec yo. Est-ce que nous comprenons? Kounya, mais ça me vle nous comprendre tout. Nan jouet là. Nan jouet la, faut conseil de acteur. Yo genye bon gens conscience qui dégage la caillou tout pour yo di écoutez erreur casting. Parce que erreur casting ça, li a joué seulement pour yon moun. Li pa joué ni pour politicien, ni pour bandi, ni pour secteur privé, ni pour tout moun sa ki nan pays ya. Quel que soit ça non est cap passer dans pays là, crasé, brisé. Li pa bon pour moun sa yo acteur sa yo ki nan pays ya. Comprenez bien oui. C'est vrai, on est capable de profiter de ça gain là, ou a fait comme. Mais comment les cas privés? Ou fatigué, man. Ou fatigué.
Bon, quand il y a la communauté internationale là, pays qui est en tête, Trinité Maléfique là, il est content. Parce que Haïti lui-même l'a échoué. Bon, enfin, c'est pour lui n'a pas joué. C'est pour lui n'a pas joué. Et puis chaque jour levé, c'est en zone cap tombé, sans aucun objectif. Parce que ces gens-là, qui ont même un désir pour capable marcher prendre zone, craser, bouler, ils ont fait ça. Kounya, par exemple, on prend Solino. Solino qui vient tomber là. On est pral de oucher soudainement. Et puis après, parce que gon les cap privé font dit tête non que nèg ça yon ensemble avec l'État a presque rete dans même caillé. Yon a dit l'autre bonjour chaque matin, les la passé al travail. Kounya m'pral wè comment pays a pral fonctionner parce que bon dit non bagay. Malgré tout bagay, peuple haïtien résil à quel que soit sa cap privé. OK? Nous résilier nous et nous ouais jouet là nous comprendre ni malgré à plusieurs reprises nous dit nous font souké konon parce que ouais bandi yo c'est vrai bandi yo y a touyer moun Solino y a tirer moun Solino mais si Solino jeune appui tabar tabar jeune appui Solino pas au prince levé en entier en plus l'autre côté dans pays a fait corps à revendication moun sa yo qui c'est les écrasés de la société nous mettons 5 à 700 000 moun dans la rue. Nous te met passé dans le coucher dans Delma 6 mon cher m'pa quoi nèg barbecue a ka fon ballon. Est-ce que nous comprenons parce que ça cap vini devant yo a li a laissé impression que eh bien pep ça li décidé pour le dire pays il faut ça changer mais nous pas jamais fait depuis les kidnapping n'était en vogue m'était toujours à dénoncer ça pour me dire non pas quitter c'est là prendre nous toutes pour nous plaindre. Mais à chaque fois, on prend un grain, on dit, bon, écoutez, c'est tel, ça arrive, pas de problème, on va être. Non! Depuis là, on prend un grain, on a fait un mouvement collectif. On 100 000 moun, 200 000 moun prend la rue pour nous dire, écoutez, entrez dans conscience, bandi yo. Nous pas, Jamfel. Jouk jouné jodi ya, malgré ça, n'a subi là. Ou après, si gen pour prendre la rue, c'est Pep Solino qui prend la rue. Si gen pour prendre la rue, c'est moun tabac qui prend la rue parce qu'il a crasé yo. Et puis, il y a un monde qui a bataille contre bandi. Eh bien, jusqu'à présent, qui est coué, mais comment un pays a fonctionné. Donc, vous voulez nous comprendre, solution, ce n'est pas pour demain si nous continuons à afficher ça, nous sommes capables de une sorte de passivité par rapport à ce qui a passé à dans le pays. Il y a un peu de monde qui est capable d'accord avec moi, je parle de pays qui est en tête Trinité Maléfique. Là. Mais, je parle de nos informations. Et au même qui attendait, au même qui a regardé, on parle dit que c'est dérespectant. Eh bien, attendez bien, l'ambassade américaine admet des échanges avec des gangs pour assurer sa sécurité à Port-au-Prince. C'est un article qui sorti sous RL News le 25 octobre 2024. Dans une intervention sous une radio dans la capitale, l'ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Denis Hankins, lui révélait que l'ambassade pays États-Unis a boucanté la parole de manière limitée. Comprenez bien, oui? Par intermédiaire avec gang local pour capable garantir sécurité personnelle et installation. Déclaration ça a mis en lumière une réalité préoccupante, crise sécuritaire dans le pays d'Haïti, côté même représentation diplomatique, yo, trouvé yo dans difficulté pour prendre mesures exceptionnelles pour protéger tête. Ambassadeur Hankins a précisé que échange par révélé. Yon collaboration volontaire, mais yon nécessité dictée par contexte insécurité sous ambassade là. Li confirme que récemment, Baliot est touché bâtiment ambassade là et puis tout certains véhicules diplomatiques. Ça qui accentue nécessité pour ta capable kembe yon contact minimal pour éviter incident sa yo. D'après M. Hankins, communication limitée strictement à question sécurité. Volonté force sécurité dans le pays d'Haïti et puis limite yo. Monsieur Hankins soulignait détermination la police nationale d'Haïti et ministère justice et sécurité publique pour affronter gang yo. Cependant, li reconnaît que ressources et capacité actuelle yo limitées pour endiguer violence généralisée dans le pays. Ambassadeur là, li prend position contre toute idée yon trêve ou bien négociation. On dit direct avec gang yo pendant li exprimer yon opinion partagée
par un pile haïtien. Pour les mêmes, réponse crise ça, il doit passer par un renforcement significatif force sécurité yo, mais non pas par des compromis avec groupe criminel ça yo. On t'a répété parole ambassadeur américain dans pays d'Haïti Denis Hankins. Kou na l'offre de parole ça yo. Ça vous dit tout parce que l'oga de ambassade là vite l'homme qui a passé devant ambassade là l'a frappé. Bon, moun a mouri dans tabac tout près ambassade là. Et ambassade là plaigné, il dit lui-même insécurité arrivée sous lui tout. Bagay yo red. Donc yo obligé mandé gang yo là s'il vous plaît, est-ce que nous pas ta font gens là pour ne pas tirer balle. Bon ambassade là s'il plaît. Kalou jette monsieur, kalou jette les gars faire pays d'Haïti monsieur. Bon, et autorité dans pays ça monsieur. Comment nous fait hypocrite comme ça même? Ou connait belle là bon monsieur. Eh ouais, moi moi nous besoin prendre Haïti. Si on moun parole, ça c'est fait qui gado mais qu'on y a la dégager nous. Dégagez non, celle ça me connaît pas gagne qui vient faire vieux zo sous la tête. Histoire va écrit, bah connait, ça histoire va l'écrit. Mais on l'aime pas là, on l'aime Biden pas là, on l'aime Donald Trump pas là, on l'aime en pile américain pas là. Et c'est toujours même bagarre là. Mais qu'on l'est privé force à frapper pied à terre pour Haïti oui. Nous capable reconnaître existence. Mais le jour nous reconnaître existence. Il a frappé pied pour Haïti. Claude Joseph parti aider sous sa cap passé dans le pays. Hein? Pas oublier, nous sommes le 28 octobre 2024. Conseil présidentiel de transition. Lavalas, pouvoir politique, crise sécuritaire. On a le côté. Nous sommes d'accord que je dis, hein, c'est toi inculpé et automatiquement dossier à le cabinet d'instruction. L'échanger indubitablement, sans doute, n'est-ce pas, statut, monsieur Yo. Donc, monsieur Yo vient des inculpés et Yo vient tomber automatiquement sous le coup de l'article 2 du décret créant le conseil présidentiel. C'est-à-dire que Yo automatiquement va gagner place encore. Maintenant, ça vient faire qui ça? Il vient faire que m'a questionné alliance qui fait. Pour gagner cette composition dans CP aujourd'hui en Scoop. Président ou bien le coordonnateur du CP qui acceptait que monsieur Yo encore en dans conseil présidentiel là pour qui ça et tout observateur avisé connaît son seul raison c'est pour un secteur qui a fait mémise sous l'État. Pour qu'a fait mémise sous gouvernement, d'ailleurs, il a demandé au remaniement, nous allons parler sous ça, pour être capable de régler question élection. Donc alors, éditorial l'a tombé bien alors. Ben, c'est ça que nous disons, que l'éditorial. Donc, c'est effectivement une analyse très objective. Mais et nous-mêmes, et GBBC, nous capable de remarquer, et aider toujours situé à l'avant-garde de combat pour transition réussie. C'est ça que fait. Nous écrit premier secteur qui écrit mandé conseiller là pour le démissionner. Pour le démissionner parce que c'est un handicap à fonctionnement conseil là. Il pas veut démissionner, les sans déballe. Songez GBBC on sorti honorable. Et nous te dit laisse pas qu'on gagne rapport ULCC. Justement. Nous te dit démission pape yon aveu de culpabilité. Ni pas de comprendre ça. M pas connait qui ça t'a contenu rapport ULCCA. Rapport ULCCA sorti c'est un rapport qui accablant pour trois conseillers et conseiller Pamna en particulier. Encore une fois, il devait comporte de sortie. Ni pas fait, la fête est raide. Et maintenant qu'on y a dossier dans cabinet d'instruction. Il dans cabinet d'instruction. Et j'en dis à gagner, il y a un conseiller qui est invité, donc qui change statut, monsieur. Maintenant, ça qui est étonné, c'est en dans secteur PAM, même, tu as gagné de hommes politiques qui te dit il y a peut-être un rapport à sortir pour prendre une décision. Mais rapport à sortir. Rapport à sortir, il y a toujours, sauf que ça me croit, moi je pense que c'est des hommes d'État, c'est des femmes d'État. Qui a ramené Tétio à la raison
et il a prend une position commune jodi a parce que l'heure est grave. Donc gagner une nécessité pour nous sauver transition. Aujourd'hui, il y a véritable et handicap à transition, véritable handicap, il faut l'admettre. Mm-hmm. C'est trois conseillers ça yo. Est-ce que trois conseillers ça yo Gary, Vaniel, n'ont pas capable parler de changement, de remaniement ministériel. Non, c'est justement question ça me va poser. Est-ce que et si as-tu trois inculpés capable à poser un document officiel qui pourrait le publier dans le journal officiel le moniteur côté à demander remaniement et qu'on va signer document ça. Est-ce que les légalement bon, possible? Bon, alors moi-même et qui tape une trois monsieur ça bien toi, on tape seulement et retirer comme. Pour qui ça? C'est tout simplement parce que je dis, je sentis que si y a la traîne de secteurs qui a utilisé, il n'y a pas aucune influence encore. Elle dit, même secteur qui vous a, si ce n'est pas peut-être que vous présentez, faut secteur a dit, écoutez, monsieur, nous pas aucune influence, c'est utiliser secteur X ou Y a utilisé nous pour être capable de prendre pouvoir, mais il va faire rien avec nous. D'ailleurs, il a tellement utilisé, il dit, une fois que vous avez fini de faire le remaniement, il a voulu aller. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ça. Ça veut dire, et Jodia, nous pas capable d'accepter et accord 11 mars là, ou bien consensus 11 mars là, accord 3 avril là, décret et 10 avril là, clair sous statut qui est-ce qui est capable de faire partie de transition, qui ça nous devait. Donc je dis à nous, véritablement ce côté de ça, nous t'es souhaité. Comme objectif. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, Manuel GPPC, nous. Écrit, scoop, membre, nous gagnons dans le gouvernement, ministre défense, pour nous demander pas participer dans aucun conseil des ministres et de fait dans aucun rencontre qui vient toi, monsieur Savalada. Bon, ben, vous avez parlé avant la question ça. En fait, dans rencontre qui vient dans perspective remaniement, représentant pour là, li baille ministère de la Défense. Représentant, et 21 décembre, là, baille ministère de la Santé. Ouais, c'est-à-dire, ça veut dire, représentant pour là dit que lui-même, la mettons l'autre monde dans l'autre ministère, mais le pas monde pour là, le mettait le dehors. Ça veut dire qu'on bataille et tout. Pendant que je suis en dedans, je suis tout éliminé aidé. Oui, bon, écoutez, d'abord, c'est moi, histoire ça. Et rapide. Sous 5e République, là, François Mitterrand, c'était 4e président, c'est-à-dire après De Gaulle, après Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Et François Mitterrand, président socialiste, premier président socialiste sous 5e République, là, il prend pouvoir en 1981. En mars 1986, M. Fonds législatif, il est perdu. Et il va faire première cohabitation avec Chirac. Et c'est Chirac qui était représenté l'opposition dans l'allée. Là, monsieur. Et monsieur vient premier ministre, François Mitterrand. Et non, 1988, gain élection, François Mitterrand allait face avec Chirac. Chirac perdu. Monsieur prend l'autre premier ministre. Et en 93, même bague à la Wal produit, M. Wal font deuxième cohabitation dans l'histoire, c'est Game République. Mais ça qui est important là-dedans. Chirac dit que je ne vais pas dans Matignon pour mal l'Élysée directement comme chef de l'opposition. Je vais l'autre nègre dans l'opposition qui c'est Edouard Balladur. Mais Edouard Balladur arrivé, Matignon, il a commencé là avec Mitterrand, etc. Dans le premier mois, et Balladur prend téléphone Chirac. Dans le deuxième mois, le temps de Chirac. Le troisième mois, monsieur Balladur parle avec Chirac encore. Quand il a réglé à faire balle. Et ça qui va le plus dur, c'est que Balladur, Edouard Balladur, va le candidat face à Chirac en 1995. C'est pour montrer que l'histoire trahison dans la politique, nous gagnons ça, nous comprenons ça. Mais ce qui est étonné, nous, c'est que représentant nous, c'est. Non seulement membre fondateur, Patia, c'est membre conseil stratégique, Patia, qui, en dedans
et CPA, li décide implémenter tout un agenda anti-aidé. Bon, c'est pas grave. Maintenant, affaire, y a changé ministre Panou, y a changé ministre, ça importe peu. Non pas, c'est pas ça qui est préoccupation. Nous pas bataille pour nouveau ministre pour l'irriter. Nous pas bataille pour transition réussie. Et nous pas bataille par conséquent pour toi, monsieur Sayo, qui s'est désinculpé, qui tombait sur le coup de l'article 2 du décret du 10 avril 2024 pour yon pas dans le CPA. C'est ça le combat. Le combat, c'est pas de garder portefeuille ministériel, son ministre. C'est pas le combat de aider. Aider, s'en fout pas mal. Et ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est de sauver cette transition. En d'autres termes, c'est de nous t'es capable de dire garder acquis bataille divergence qui t'a gagné 11 mars dans mi-temps des secteurs yon différent de l'autre divergent yon, mais nous arrivé sien on accord 3 avril qui est aujourd'hui la loi des partis mais nous pas gain outil légal pour nous contraindre les représentants à quitter ce PTA. Mais la justice, écoutez, la justice aujourd'hui, je demande au premier ministre Gary Conny et au coordonnateur du CP de prendre acte qu'ils sont des inculpés et par conséquent ils ont tombé sous le coup de l'article 2 du décret du 10 avril 2024. Donc c'est si, le premier ministre. Non, si premier ministre, le premier ministre avec si premier ministre avec coordonnateur a pris acte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de blocage du CPT parce que dans le document signé, il y a besoin de 5 personnes pour signer. Est-ce que ça sont l'autre résolution ou obligé pas? Bon côté, quand acte, vous l'avez dit qui ça, l'appareil gouvernemental, celui qui coordonne l'action gouvernementale, c'est le premier ministre. Le représentant de CPTA, c'est M. Leslie Voltaire. Yodouchita, pour prendre acte que ils sont invités au cabinet d'instruction et par conséquent, ils sont des inculpés. Ils tombent automatiquement sous le coup de l'article 2 du décret du 10 avril 2024 et que, en principe, ils n'ont pas gagné sécurité. Ah bon? Non, ils n'ont pas gagné sécurité, ils n'ont pas gagné des frais, ils n'ont pas gagné, etc. Donc, ils doivent prendre acte. Et puis, le juge d'instruction, tout le monde connaît son juge d'instruction, il est un non-obéi. Donc, c'est lui qui va décider... De l'avenir. De l'avenir. Si, s'il décide de répondre à cette invitation, c'est lui qui va connaître. S'il ne va pas répondre... Et s'il ne va pas aller? Eh bien, voilà, ça. Le juge d'instruction. Pas oublier qu'un juge d'instruction, c'est un petit roi oui. dans un pays. Donc, c'est lui qui a décidé. Parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, et nous avons dit brandir, c'est et question de privilège de juridiction. Ils étaient, et n'est-ce pas, ils étaient allés devant ULCC. Donc, est-ce que position ça va exprimer, vous dit tout que ou voler plus haut que d'avoir du problématique qui existait en tout même à primature. Oui, la question aujourd'hui n'est pas d'un homme, de Claude, de Gary Conny. Gary Conny est un premier ministre. Claude Joseph est un chef de parti. Oui, ouais. Un ancien premier ministre. Un ancien premier ministre. C'est même pas là la question aujourd'hui. Non, je vous fais la question justement mais, parce que. Mais il faut aller au-delà des contradictions. Il faut aller au-delà de ces contradictions. Il faut voir le pays d'abord, Haïti d'abord. Haïti d'abord. Donc, la question de M. Conny, et c'est pourquoi nous autres, au niveau de aider, nous demandons, et n'est-ce pas, à Gary Conny de prendre acte qu'ils sont désormais des inculpés. Parce que Gary Conny, s'il acceptait Alchita, acte 3 inculpé dans le Conseil des ministres. Il fait le complice automatiquement. Il fait le complice. Donc, on y a nous-mêmes, on a viré sous Gary. Conny. Non, pour demander d'aller.
Ah, bien sûr, parce que. Et ou pas qu'à faire, complice, même à le travail son remaniement ministériel, avec des hommes qui tombaient sous le coup de l'article 2, qui dit que depuis ou poursuivi, depuis ou accusé ou poursuivi pénalement, ou pas capable dans le CPA. Nous n'avons pas le politique là, sérieux. Ah ben, donc, à ce moment, le pays l'a regardé. Quelle est la référence aujourd'hui? C'est l'accord du 3 avril, qui est la loi des partis. Donc, monsieur le Premier ministre Garry Conille, les autres membres du CP, ils doivent chita parler avec les secteurs. Vous parlez de secteurs et qui a utilisé monsieur. Scoop. Est-ce qu'on est plus clair qui secteur ça qui a utilisé les trois équipes pour régler l'affaire alors que probablement quelques temps plus tard on a shooté de haut. Pas besoin encore. Mais écoutez, il y a des secteurs qui bénéficiaient annuel de situation. Yeah. Bon, ou ouais, qui secteur par exemple qui prend la présidence dans la présidence tournante. Mais ben la présidence tournante. Mais moi marqué nous peut. Non, moi marqué nous peut. Il y a Alexis Voltaire qui est membre du parti Famille Lavalas. Il y a également Fritz Jean qui sont anciens cadres de Famille Lavalas qui a fait une alliance avec Alexis Voltaire. Il y a Gérald Gilles qui est membre de Famille Lavalas qui a été membre de Famille Lavalas et qui a une sensibilité Lavalas, ça fait trois. Et puis, ouais. Maintenant, il y a Vertiller qui est de Petite Dessaline, mais qui ont certaines sensibilités, ça fait quatre. Ouais. Pas oublier, tous trois négos, ils ont obligé Smith de aider, obligé à l'entrée en bas la Valas. Vous comprenez? Ça fait cinq négos qui ont joué pour. D'ailleurs, si on n'a pas baillé la Valas, aucune pénétration, la Valas a mangé déjà. Pour le moment, il a utilisé, c'est vrai, il a utilisé, mais puis devant, il n'y a pas qu'un béo. Parce que ça doit arriver si. La justice elle rapide dans le dossier, peut-être qu'il y a un droit avant et l'année a fini. Et puis, il dit qu'il n'y a rien. Mais pour le moment, la Valas a pu utiliser. Pas la Valas comme si, comme parti, besoin fait ça. Non. L'inormal, c'était dès que tu es dans la position, tu as pu utiliser tout. Mm-hmm. Parce que il y a besoin de pouvoir. Donc, la Valas a besoin de pouvoir. Maintenant, nomination pour le fait. C'est le plus important. C'est-à-dire, tout magistrat, tout délégué, tout député, et magistrat délégué de ville, etc. Et délégué qui représente le président, tout. Pral nommé dans l'administration et pas pour le ministre Raphaël. Donc, ça a une certaine possibilité pour gagner représentant au niveau pays. Et toute élection a beaucoup plus favorable pour eux. Laisse ça aider presque perdu. Alors, bon, et bien, au souligner, gagner dans sa cap fait là, par exemple, vous dites, faut PM dans ta prend acte et au même moment pour représentant CPA, Tachita avec PM. Non? Et non éventuelle solution par rapport à nécessité pour M. Sao de yo non CPTA. Non, maintenant, non, ouais, CPTA, il fait bilan 6 mois. Il a parlé de transparence, tout l'autre et domaine. Il va évoquer scandale corruption BNC. C'est comme si de rien n'était. Donc, vous pensez que M. Sao Capon a constaté. Bon, d'abord, moi trouvé qu'on pas qu'il y a une cohérence dans le bilan. Coordonnateur CPAF. Oui. En pile incohérence. D'ailleurs, on songeait ces mêmes coordonnateurs, ça, avant le décoordonnateur, qui te dit une fois rapport à sorti, il a demandé monsieur, vous aller. Oui, déclaration faite publique. Donc, rapport à sorti, coordonnateur, ça, lui, au contraire, vient coordonnateur grâce à situation vulnérable, situation fragile, monsieur. Donc, il a profité de situation fragile. Donc, fragile monsieur, donc on instrumentalisation dans la façon pareil qui fait de dossier. Donc, moi pense dans le bilan, et faut que l'État montre que son CP qui est marqué, caractérisé par la corruption. C'est-à-dire, le dossier de la BNC qui épinglé d'abord toi monsieur, yo, gen un rapport ULCC, qu'on y a eu inculpé. Donc, aux côtés de de Yel, si vous voulez, et pendant le coordonnateur a fait bilan, vous avez trois inculpés qui campent. Vous avez trois inculpés qui campent. Donc c'est pour moi qui a passé, nous sommes capables de dire, et inaperçu. C'est pour ça. Nous-mêmes, nous croyons que nous faisons appel à ça. Son position de courage,
une position très courageuse. Nous mandé ministre de défense là qui sont membres parti politique aidé pour pas participer dans aucune rencontre avec toi monsieur. Est-ce que d'accord? Moi bien quand on poser question ça mais ça me capable de Gary monsieur Berthier Jean-Marc Berthier Antoine n'est pas Smith. Ah bon? Non, non. Il y a une différence? Il y a une différence. Vous suivez et Smith c'est un opportuniste. C'est quelqu'un prêt à trahir son parti, son groupe, pour n'importe qui bagaille. Mais Berthier est un membre vert de ED qui respecte les disciplines de parti. Automatiquement, nous demandons Berthier pour ne pas participer, il ne va pas aller. Nous connaissons ça. Scoop! Pas de risque pour tromper. Aucun risque. Aucun risque. C'est un. D'ailleurs, c'est quelqu'un de caractère, c'est un homme. Berthier est un homme. Et nous n'avons pas de doute du tout, du tout, du tout. Mais. Il y a une petite différence avec nous, oui, monsieur. Oui. Pour que ça ne va pas te consulter, et oui, oui, etc. Oui, oui. Il y a une petite différence. Mais la discuter dans la bâtie. Mais là, autant de monde qui est l'élu, bon côté, Smith qui a dit, monsieur, si nous, Claude Mando, si Aide Mando démissionner, pas démissionner, etc. Je dis, non. C'est dès que tu mettez là, depuis que tu dis, retirez comme. Ah bon? Je te dis, mon pas même tenté faire ça. Lève tes position, yo dit, al fait équipe avec Smith. Quitte bagaille de ça, il dit, non. Nous pas de jambes de qu'on aime, avant. C'est dès qui mettez là, piga nous fait ça. Il dit, mon piga nous fait ça nous fait Smith par rapport avec. Moi, j'ai un problème avec lui. Oui, vas-y. Ou pas parle de ministre ça. Oui. Vous suivez et passe. Qu'on fait toute confiance ça. Oui. L'autre qui peut mettre ambassadeur en République Dominicaine, c'est Smith. L'autre qui peut mettre président, c'est Smith. Oui. Sacrivé, qui fait battre, monsieur. Alors, chaque gain compétence par eux, il faut nous reconnaître que Smith, c'est un très, très bon intellectuel et qui gagne en pile capacité, en pile valeur. Pas oublier pendant que je parle avec nous là, bah jamais dit nos Smith volé. Pas du tout, non. Bah jamais dit nos Smith coupable. Non. Seulement on dit l'opportuniste. Ouais. Moi dis nous que Smith trouvait dans une situation qui extrêmement difficile, qui fait que lui tomber en bas la loi, en contravention avec la loi, et lui pas capable dans ses pays, faut lui reconnaître ça. Donc faut aider. Nous, qui fait une bataille pour accoucher transition, ça, faut le dégager. Est-ce que Chita, ou t'es Chita, après scandale là, ou pas là avec lui, et comme si, et staff aidé à Chita, monsieur, devant nous tous, t'as posé la question, monsieur, après répondre, n'a prendre note pour nous garder qui niveau implication avant nous prendre décision, ça compte. Bon, oui, moi-même, moi, Smith pour me dire écoutez, ma situation. Comme on perspicace en pile en politique, on va côté nous aller. On dit monsieur pas gagne aucune façon qu'à sortir là. Plus ça durer, plus ça plus difficile pour vous, plus on va en bas projecteur, donc plus on paraît tout le monde qui comme si n'était pas impliqué dans la question vrai. Je dis à m'en parler là, on pas connaît si Smith lui-même. Son nèg qui parlerait il dit nèg faut bon 100 millions good. C'est monsieur non mauvais garnison, mauvais compagnie, ton bill, non mauvais lait, non mauvais en droit, etc. De fait, monsieur fait, supposé là. Gonti alliance, comme si une alliance qui fait à une même CPO vraiment son alliance malsaine. Et pas tout, oui, c'est ça qui passe Smith, oui. Ouais. Smith prend un, vous comprenez, un bail qui rivé, c'est-à-dire, j'en lié avec un nègre, un naïo. Je suis certain que gagner l'autre monde ça pas ta privé Smith. Même parce que monsieur gon naïveté faut nous présenter comme ça. Naïf qui pas suivre à réel. Un nèg là qui a réfléchi, il a passé mes tête. Mais on pensait que il pas comprendre dynamique. Et puis au côté le nom rien parce que être intellectuel n'est pas suffisant en Haïti pour comprendre la politique. Oui, parce que moi, je pense que M. Gagnon est dans l'environnement, de monde qui lui fait confiance, il a décidé de venir là avec lui, etc. Qui mettait M. dans la situation. Et DD
attiré attention monsieur depuis au début. Ah bon? Ouais, tu dis monsieur côté nous attiré attention sous présence dans environnement de monde qui capable mettre dans problème. On pas avoir conscience tranquille si depuis au début nous pas attiré attention Smith sous des monde qui dans environnement qui ouais transition comme une opportunité pour enrichir. Et tout le monde connaît son secret de polichinelle. De monde ça aucun environnement monsieur monsieur venait avec yo en Haïti. Moi-même et de l'autre monde aider nous prendre distance avec eux. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je dis à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!